Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 2019 sur notre série qui continue 100% Fent. Aujourd'hui, je pense que dans le titre, vous aurez peut-être vu, voyez, qu'aujourd'hui, il va y avoir du fanage. On va finir un champ de fanage. On va finir un champ que j'avais commencé. En délai. Vous aurez aussi une petite annonce au sujet. Vous verrez bien. Je pense que vous savez. Et vous aurez un tuto sur Sinmaster. Donc voilà. Donc on est à 17 000 euros. Parce que j'ai acheté pas mal de. J'ai acheté deux d'engrais liquides. Donc on va commencer par le tuto du Sinmaster qui est de la LFD. Donc voilà. Donc. Pour ça, on a toujours le véhicule, hein, je voulais le vendre, mais bon, voilà. Enfin, je voulais vendre le truc et le véhicule, et puis on verra. On verra. Oui, il n'y a pas le, oui, le truc du carburant, c'est normal, je l'ai pris comme ça. Bon, désolé des petits coups de lag, je ne sais pas ce qui se passe, mais à mon avis, voilà, il faut que je vire quelques mods. Et c'est sûr, c'est parti, je suis pas fluide. Ma partie perso, pourtant, j'ai les mêmes mods et tout. Donc, il vous faudra bon, deux véhicules ou un seul véhicule, comme vous voulez. Il faudra cette coquille. Donc, CZ. Voilà. Vous aurez besoin d'une petite benne. Donc, comme j'ai dit, j'avais acheté la benne de bouche. Désolé pour les notifs. Deux Steam, comme d'habitude. Hein, bon, hein, ça fait partie du charme. Avec un tracteur aussi. Voilà. Et de la machine. Ça, c'est clair et net. Sinon, c'est la machine plus parfaite. Donc, il vous faut dans la machine. Du blé, de l'orge ou de la ouate. Donc je vous conseille de prendre des cultures qui ne rapportent rien. Comme le blé que j'ai fait, il ne rapporte rien. Ou c'est de l'attente. Attendez. Ah bah, sûrement. Mais c'est marqué blé, mais je vais vérifier. C'est du blé. C'est du blé. Donc voilà, donc il faut du blé et il faut de l'engrais liquide à l'intérieur. Voilà, c'est marqué engrais liquide, mais vous avez du gasoil. Donc je pense que vous voyez pas. Bon, peut-être vous voyez pas, mais bon. Alors. Bon, je vais ouvrir ça. Et je vais remplir. Donc vous faites I. Voilà. Alors, ça ne fiche pas tout de suite parce que on va dire ça fait un sorte de transfert à la machine. Un transfert vers le réservoir. C'est pour ça que. Ça n'affiche pas tout de suite. Dès que la machine peut-être de vider, peut-être que ça va afficher ce qu'il y a dans la machine. Autant que ça vide, voilà. Et on va faire pareil pour la semence. C'est pareil pour la semence, hein. Voilà, elle vide. Donc voilà. C'est bon, elle vide. Elle vide. Là, ça n'affiche pas, mais quand on va revenir, oui. Bah là, voilà, c'est affiché. Voilà. Et ça produit extrêmement vite. Alors c'est comme une sorte de silo. Merde, c'est pas. Je vais la déposer là. C'est comme une sorte de silo. C'est comme une sorte de silo. Et mais ça fait de la semence. Je vais arriver, hein. On va se guérir, on va réussir. Voilà. Maintenant, je suis fluide, mais là, c'est juste le démarrage de l'enregistrement et tout. Voilà. Voilà. Je ferme le truc après. Je vais ranger la voiture. Hop. Hop. Et ben, on a fait du 2 euros. Bon, pas mal de modes qui sont arrivés tout. J'ai pas mal de. Ah oui, c'est normal, elle doit être en train de. Elle était remplie, je pense. Voilà. Vous avez peut-être vu que le DLC va bientôt arriver. Alors, pas sur cette série. Voilà. Pas sur cette série. Je sais même pas si j'ai mis comme il faut le truc. Pas sur cette série, hein, comme je vous l'ai dit, on est 100% fent. Donc ça c'est bon. Voilà. Donc là elle produit. Alors j'espère que c'est pas trop fort. Donc là elle a transféré le grain ici. Donc voilà, vous avez 16 tonnes. Et c'est en cours de production. Donc du temps que ça produit, ben faut faire autre chose.
Déjà, on peut ranger la benne. Et je vais pouvoir ranger le tracteur à sa place. Wally Wally. Je regarde un petit peu, mais il faudrait que je regarde sur mon site si là, cette benne là, la cote je sais plus, et le site master je sais plus. Les bâtiments après vous les trouvez sur farming. Hein. Je vais essayer de mettre tout, mais si je peux pas tout, essayez de trouver par vous-même. Ne demandez jamais aux autres. Parce qu'ils vont vous envoyer bonne année un jour. Donc ça c'est bon. Donc pour tuto, voilà, c'est rapide, je vous ai fait ça en 2 minutes. Voilà. Et encore de la semence, hein, je veux dire, mais là, elle produit, et puis là, la machine, sera tranquille. Voilà. J'ai regardé au niveau bête. Le lait, bon, il y a que 4000, on va pas faire... Voilà. La machine qui va. Je vérifie un truc. Non. Bah, elle est où bah, elle est où la... Alors, faudra m'expliquer où est passée la mélangeuse. Bah. Ah, bah d'accord. Je comprends. J'ai dû la désinstaller par erreur. Donc j'ai plus de mélangeuse. Bon bah ça fait rien. Hein. Bah on va manger donc ça c'est cool. Donc on va aller hop dans le champ. Hop voilà. Allez on va finir ce qu'on a à faire. Et voilà. Là je crois qu'il n'y avait pas. Est-ce que. Bon, c'est bon. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Et voilà. De toute façon, le matériel, je rangerai après. Donc, je pensais que la vidéo serait un peu plus longue, à mon avis. Mais finalement, comme j'ai bien avancé, et vu le temps, et vu que ça se met, ben, à mon avis, ça fera 15 minutes, comme d'habitude. Au sujet de la... Donc, de l'annonce. C'est au sujet de la nouvelle saison de la nouvelle marque. D'accord. Donc, je vais donner 2-3 petits trucs. Après, pour le fameux marque de tracteur, ça vous verrez. Peut-être que c'est peut-être le DLC classe, hein, c'est peut-être autre chose. Hein. Vous verrez bien. Donc, je vais vous donner 2-3 petites infos. On va aller sur... Donc, on va jouer en mode cheat, ça c'est sûr. Je sais pas si je vends tous les véhicules, etc. Mais, ou on recommence de zéro comme si on avait. C'était une nouvelle série, mais qu'on n'a pas. Voilà. Qu'on n'avait pas de véhicule avant de sur l'ancienne série. Voilà, vous comprenez. Donc vous aurez. Donc on va aller sur la map Agri France V3 de Pascal T. Donc j'avais joué sur la V1. Bon, la V2 il n'avait pas corrigé certains trucs, j'espère qu'il aura corrigé. Voilà, mais elle est un peu plus complète. Donc, voilà. Hop, hop. Donc, Agri France V3. Voilà. Et on jouera avec le mode saison, mais vous inquiétez pas. Bon, c'est pas un truc qu'on fera au fil des saisons. Mais ça sera quelque chose. Voilà, je vais essayer d'avancer pendant les périodes de, ben, pendant toute la saison. Voilà, pendant la période de saison, je vais vérifier dans le garage la vitesse du machin. S'il veut bien me l'afficher. Désolé hein, si c'est son bug. Voilà, ça je peux pas trop y changer, c'est bon. Donc voilà, il faut ces cotes là hein, pour universel. Donc c'est simple, c'est LSFM. Normalement dans la description, sur mon site, je pense que c'est la bonne version que j'ai mise parce que c'était des pas de cotes que j'avais les autres, c'était pas les bons.
Voilà, ça, 8 mètres 2, 20 km. Alors, fais voir. Voilà, on peut faire K18. Bon. Et ce qui est bien maintenant sur la nouvelle version du contre-la-donne, voilà, je me mets à 200. Bon, je ramasserai les petits bouts, je les ferai. Il y a des armes, problème. Ne vous inquiétez pas. Alors désolé des petits coups de lag. Je suis navré, mais j'espère que la prochaine fois qu'on ira sur la nouvelle map, pas sur la map, donc, on n'aura pas ce genre de coups de lag. De toute façon, ce sera trié, vous inquiétez pas. J'ai des petits coups de lag, c'est. Voilà. Bon, j'ai toujours le maïs fané, hein. Désolé, là, je sais pas ce qui se passe. Voilà, ça revient. Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Là, j'ai des chutes des... Ouais, je suis à 20, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est la capture? Mais c'est bizarre, la capture, elle a jamais fait de truc. Ouais, je suis à 15, regardez, 15, 17. Et là, voilà, je tombe à 6. Bon, désolé, j'espère que sur la map... Moi j'aime bien le Kerberos comme ça. Il est mieux maintenant. Je le refais comme il faut. Peut-être que j'aurai encore des coups de lag. Bah, je suis désolé, hein, mais c'est bizarre que sur ma partie perso, je suis fluide et je peux jouer des heures. Et que sur ma partie, sur celle-ci... Alors, est-ce que c'est la map? Est-ce que... Je sais pas. Hein. C'est bizarre, on les avait pas au début, hein, c'est ça, les gens. Rien, c'est la merde. Non mais franchement, j'ai des coups de lag, des coups de lag. On est à combien de minutes de vidéo? Parce que sinon je finirai le champ off. On est bientôt à 15 minutes de vidéo. Oula, je vais faire cette ligne et je pense qu'on va arrêter là à cause de ces lags, je sais pas pourquoi. Donc on continuera quand même, hein, sur cette série le temps que la map sorte. Tant que la map sorte. Je vais faire un truc propre. Donc il y aura peut-être du pressage pour le prochain moment, je crois que j'avais dit. Si mes souvenirs sont bons.
Mais tu te lèves. Ah putain. Un moment, machin. J'ai vraiment des coups de lag. Ouais, mais à mon avis, il y a un mode qui veut nous faire chier. Et je pense que ça doit être le véhicule ou je sais pas. Parce que j'ai rajouté un truc, j'ai rajouté un épandeur le bush, il y est sur ma partie perso et j'ai pas eu de lag. Pourtant, je l'ai pas acheté. Hein. Franchement, je l'ai pas acheté. Donc, c'est ça. Hein. Est-ce que c'est la map ou... Ah aussi il y aura le DLC. Alors, l'heure où la vidéo, à l'heure où je vous parle, le DLC ne sera pas sorti, mais quand vous regardez la vidéo, le DLC sera sorti. Parce que vous savez que je sors les vidéos le jeudi, je sais que sur le mercredi, mais ça dépend la durée. Voilà, ça dépend la durée, ça dépend le temps de montage, etc. Que mon Adobe Premiere Pro me préfère. Et donc du coup ben donc du coup ben voilà, donc ces petites infos hein. Donc n'inquiétez pas, je l'ai précommandé parce qu'il a l'air ouf. Je vous recommande aussi hein, vu ce que j'ai vu. Voilà, on va passer cette ligne là. Je vous le recommande. Alors j'espère que le son va pas bugger et tout. Là c'est toujours les aléas. Voilà. T'as 4 heures ce véhicule. C'est ouf hein, quand on garde les mêmes véhicules. Bon j'essaye de faire un truc propre même si ça penche sur l'autre rondin. C'est plutôt que les champs comme ils sont pas carrés, mais en fait en vrai c'est pareil. Les champs sont pas carrés. Voilà, ouais, tourne, voilà. Et ben on aura fini le champ, voilà. On aura fini le champ. Ce sera propre et ça sera fait pour le prix. Voilà. Je pensais faire un peu en off. Je vais essayer de... Là, j'ai un petit coup de lag. Non, c'est pas ça. Voilà, j'ai enlevé. Et donc voilà. Donc, hop. Bah, désolé des petits coups de lag. Hein. Voilà. Alors, on va arrêter le truc. Ah putain, mais ouais, j'ai vraiment des coups de lag. C'est sérieux ça. Ouh. Alors donc sur ce, nous, alors ça fait combien de vidéos? Je vais regarder sur mon portable parce que j'ai le chrono. Ça fait 18 minutes. Donc sur ce, nous on va cesser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à disliker. N'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à suivre tout ce qui est dans la description. La prochaine fois, bah, ce sera du pressage. Voilà. Je vais essayer d'accélérer un peu le temps pour qu'on puisse un jour vendre le lait. Ou faire du fumier, du lisier, c'est bon, voilà. Et il faut que je rachète aussi bah, la machine à la mélangeuse. Voilà pour cette vidéo. Moi, en off, je vais tout ramener. Tout ramener, je vais juste préparer peut-être la presse. Et puis c'est tout. Voilà. Donc merci d'avoir cette vidéo. Et moi, je vous dis ben, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.